On affronte le Sénégal et alors, ils sont champions d'Afrique. Mais ne nous font pas peur. Aussi puissants soient ces lions, ils ne peuvent jamais dénicher une cachette de noix à écureuils. En plus, on les a joués à la CAN et Dieu seul sait qu'ils ont souffert avant de nous battre. Nous sommes le Bénin, pas le Bénin de ces générations qui ne sont jamais allées à la CAN. Nous sommes le Bénin des Tchombogo, des Omotoyofi, des Moïse Talaoubi, des Stéphane Sessegnon, des Steve Mounier, des Jodé Dossou. Et cette équipe que nous avons là a beaucoup de qualité. Elle n'a peur d'aucune équipe africaine. On a neutralisé les Black Stars, les Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2019. On a même battu le Maroc. Donc rien ne doit nous faire peur. Il faut juste rester concentré dans ces éliminatoires de la prochaine CAN. Prendre match par match et tu évites ta qualification comme le dit si bien Steve Mounier. Il ne faut pas attendre les derniers matchs à domicile ou à l'extérieur pour espérer décrocher la qualification. Aucune équipe n'est à prendre à la légère, même pas le Mozambique. De toutes les façons, les écureuils savent déjà que le Mozambique n'est pas un distributeur automatique de points pour les avoir joués à la CAN 2010. Le Rwanda aussi est un adversaire que le Bénin connaît très bien. Les écureuils du Bénin doivent rester concentrés de la première à la dernière minute de tous les matchs et s'égosiller moins dans les médias quand il y aura un résultat défavorable. Il faut arrêter cette culture de la plainte. Sur la terre de Toffa, de Béhanzin, de Bioguera, on ne se plaint pas. On va arracher ce qui nous est dû, un point c'est tout. Et quand ça ne va pas, on relève très vite la tête. C'est ça, nos écureuils doivent être des conquérants lors de ces éliminatoires. On ne gagnera pas tous les matchs, ça c'est clair, mais on est capable de gagner le maximum pour se qualifier. Il n'y a aucun cadeau à faire à l'adversaire à domicile, même pas au Sénégal. De toute l'histoire des confrontations entre Bénin et ce pays, les scores ont toujours été serrés. C'est vrai, on a perdu souvent, mais on a fait des matchs nuls. Maintenant, il est temps de gagner, on est des guerriers.